c'était compliqué, j'arrivais pas à enlever un truc. Bonsoir à tous et bienvenue en ce mercredi 22 Mercredi. janvier, février, mars, avril. Il a compté sur ses doigts. Je sais plus jamais. Je sais plus. Je suis sur la bosse de ses doigts. Mais c'est le même mois que samedi, il a encore oublié. Ouais, mais j'oublie, j'ai une petite lumière. Je suis fatigué. Du coup, bienvenue pour ce quatrième épisode, il me semble, des cons. Filé. Ouais, je suis toujours avec la même type de con là, avec Julien, allez dis coucou. Salut. Coucou. Quentin. On te dit coucou. Je sais pas dit de parler GG. Avec GG. Coucou. Voilà. Yeah. Et c'est moi, bonjour. Du coup, quatrième épisode. Alors toi tu vas fermer ta gueule déjà, tu vas pas commencer. J'ai une question à vous poser pour commencer. Comment allez-vous bien? Oh bah tranquille. Bah ça va et toi? Ah bah, franchement depuis samedi ça a pas beaucoup changé hein. Bah ouais. C'est à ceux qui bossent qu'ils vont demander comment ça va hein. Ah bah hey, je suis fatigué. Ah ouais bah, j'ai une putain d'histoire à vous annoncer. À vous annoncer. Ah, on a dit ceux qui bossent. Ça demande pas à GG. Ça va. Ça pas à GG. Donc elle voulait pas mon histoire du coup. Si si vas-y vas-y. Yeah. Alors en gros le jeudi et vendredi j'ai une tournée en plus de journaux. Du coup j'ai 130 journaux en plus. Dans ma tournée principale, j'ai 160 et j'ai 130. Et du coup, j'avais aujourd'hui et j'ai demain. Aujourd'hui, du coup, j'ai fait ma première tournée qui a duré 1h15. Du coup, tu vois, 160 journaux en 1h15, c'est bien. Et devinez combien j'ai mis de temps. C'est un record. Hein. Pour 130 journaux, combien j'ai mis de temps? Alors que c'était ma première tournée et tout. Hein. Devinez combien d'heures j'ai mis ou combien de minutes j'ai mis pour 130 journaux déposés. T'as mis 1h15 pour les 160? Ouais. Donc, il a mis 40 minutes pour les 130. C'est un record, hein. J'avais jamais fait. Alors, vous comptez 40 minutes, tu penses? Oh oui. Moi, j'ai mis 1 heure. J'ai mis 3 heures. Je suis rentré chez moi à 10 heures. À 10 heures, j'étais crevé, j'étais au bout de ma vie. Comme en gros, En gros, dans une tournée, t'as deux mini-tournées, on va dire. T'as une première et ils se suivent les deux. Sauf que j'ai commencé par la deuxième, comme un fils de pute. Du coup, je partais du Plumeur Centre. De base, meuf. Ma première tournée se finit à Plumeur Centre. Bah, j'étais sur les côtes direct. Du coup, j'ai fait ma tournée sur les côtes. Sauf que ma deuxième tour, la première était partie de Plumeur Centre. Du coup, j'ai fait l'inverse et j'étais perdu. À Plumeur, il y a des 14 bis. C'est trop chiant. Mais c'était incroyable. Ah, j'étais perdu dans toutes les boîtes aux lettres. Ça m'a cassé les couilles. Voilà, c'était ma petite histoire du jour. Voilà. Ce qui est là, c'est que les gens, ils ont eu le journal pour le goûter quasiment, donc c'est pas mal. Hein. Ah ouais, mais je croisais des gens disant c'est vous le livreur de journaux. Ouais, j'ai pas encore reçu mon journal, je sais pas, t'inquiète frère, ça arrive. Mon journal. Mon journal, enculé, fils de pute. Mais du coup, mais ça explique pourquoi t'es fatigué. Ah ouais, mais je suis crevé. Et demain, je refais la même. Inch'Allah, je fais moins de 3 heures. J'espère pour toi. Hein. Bah, ça devrait ah ouais, quand il a dit un record, je m'attendais à un petit temps. Ouais, je sais. Mais il y a une maison que j'ai pas trouvée en plus. Et j'ai une boîte aux lettres que j'ai pas trouvée. Du coup, j'ai donné au voisin. Le voisin qui m'a fait peur d'ailleurs, il est sorti. Je lui ai fait, c'est vous le numéro 15? Il me fait, ouais, non, c'est pas moi, je lis pas les journaux. Je fais, ok. Déjà, il m'a fait peur. Ensuite, j'ai fait, vous connaissez? Ouais, donnez-moi, je vais donner. Je fais, ok, je vous fais confiance. Hein. Il avait l'air chelou un peu. Je sais pas si j'ai dû lui faire confiance. Je vous fais confiance pour un journal. Un journal, ouais, mais. Ouais. Bon, on sait jamais. Non, mais il avait l'air un peu bizarre. Il m'a fait peur. Du coup, voilà, c'était mon histoire. Voilà, il vit des trucs lui le matin, c'est incroyable. Ouais, mais. C'est ouf. Hein. Je me suis levé à 15h du coup. C'est pour ça que je suis fatigué. Et t'es fatigué. Super. Et je me suis couché à 11h. Ça fait 6h qu'il est levé. Ouais. 6h? Ah ouais. Quoi? Un peu plus. Alors toi, t'as eu un bac S? 7h26. T'as fait un bac S toi, non? T'as fait un bac S toi, dis-moi, non? Ah oui, t'as arrêté les cours, c'est vrai. Je veux dire, toi aussi ça marche. Hein. C'est vrai qu'on peut tous parler de ça. Ouais, bah là, franchement, on a tous notre mot à dire. Toi aussi, c'est parti. C'est quoi les cours? Allô? Du coup, voilà, je m'étais. Okay. Bon, on va commencer par quelques infos qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Alors, il s'est passé un truc déjà. Il s'est passé deux trucs, je pense. Bah, plusieurs trucs même. Mais en gros, j'ai vu une vidéo déjà très chelou. Bah, très. Je l'ai pas, je l'ai perdu. Mais en gros, c'est un mec en scooter qui s'est fait courser par les flics, sauf qu'un flic a ouvert une portière et le gars a perdu une jambe.
Ah oui, j'ai vu cette info. Ah oui, j'ai pas regardé la vidéo, j'avais peur de voir des trucs chelous. Ouais, il y avait une vidéo sur Twitter. J'ai pas regardé, mais envoyé à la tête des flics et tout. J'ai trouvé ça assez chaud, quoi, quand même. Comme le mec à skip, il avait juste pas le papier. Du coup, les policiers l'ont coursé. Et perdre une jambe pour un papier, c'est... C'est chaud, quoi. C'est un peu... Mais la vidéo, enfin, j'ai vu un extrait, c'est... ça se passe la nuit, non? Et ouais, le mec, il... Les mecs, il on l'entend terre. Crier. Ouais, j'ai pas trop regardé. si, c'est ça, j'ai vu qu'un bout de la vidéo. J'ai cru voir un bout de jambe, j'ai cru voir un bout de jambe, d'ailleurs, j'ai fait fouf, je vais pas regarder ça, ça me plaît pas. Mais du coup, voilà, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça très chaud. Mais ils ont pas parlé aux infos, ils ont juste parlé sur BFM, mais BFM, c'est une chaîne, ouais. Pas faire ultra confiance à BFM, mais voilà, du coup voilà, après je sais pas plus de cette histoire, mais très bizarre. Deuxième info, c'est, est-ce que vous avez, j'ai pas la vidéo non plus, non mais je l'ai vu passer, je savais pas ce que c'était, j'ai vu juste, non j'avais vu juste une file de queue de voiture, et en gros c'est un McDo qui est ouvert, un McDo de drive qui est ouvert je crois, et il y avait une heure de queue de voiture pour aller chercher un McDo, vous imaginez? Damien, t'es un gamin. Julien n'a pas besoin d'être coursé pour perdre sa jambe, mais ouh, sac flash sévère dans les commentaires. Ah, du coup, vous aviez vu la vidéo? Genre une file de voiture, genre bah, énorme sur toute la route. Et en gros, les gens attendaient plus d'une heure d'attente pour avoir un petit burger. Quoi. Vous le feriez ça? Genre attendre une heure pour un McDo? Franchement, je préfère aller faire les courses et faire un burger moi-même. Ouais. Après le McDo, c'est quand même. Je crois que Julien, t'es en train de prendre cher dans le chat par contre. Non, mais il va avoir des répercussions fin du confinement. Du coup, voilà. Non, du coup, quand t'as un an, Julien, tu serais capable d'attendre une heure genre pour un petit burger? Ouais, non, pareil, je me le fais moi. Tu le fais? Ouais, c'est vrai, le mec. Et déjà, ce sera meilleur en plus. Bah oui, déjà, c'est meilleur. Et... Oui. Et toi, GG, t'as. Toi, tu non, prends... pareil. Non, pareil, ok, ok. Déjà, parce que j'aurais pas la patience, je pense. Yann, on te connaît. Ah, moi, je ferais une heure de queue. Bon, bah, écoute. Moi, je prendrais juste en un rapide. En revenant de sa tournée de journaux, tranquille. Ouais. Sur le coup de 19h, il a fini le dernier journal, hop, terminé. Évidemment que tu ferais la queue pour. Bah, ouais. Et d'ailleurs, j'ai une question. Qu'est-ce que vous ferez, genre, à la fin du confinement, là? Genre, moi, je sais qu'à la fin du confinement, je vais direct au McDo. Hein. Je vais direct au McDo, manger un bon gros burger. Bah, si vous deviez choisir un endroit pour manger en sortant, vous iriez où? Enfin, McDo. Direct. Non, bon resto. Là. Moi, je vais au roadside. Ouais. Julien, McDo, hein, tu viens avec moi? Gros kebab. Gros kebab, ça. kebab. Ouais, je sais pas. Peut-être chez Papy Joe à côté du tag de Kobe Bryant. Je sais pas. Quentin, on connaît. Damien aussi il connaît. Et toi GG, tu t'es tiré où? Ouais. Un bon mec, un la bon route resto. Gourmande pour GG. Ouais, un bon gros resto. Ok, ok. Entrée nice, plat ouais. Dessert. Dernier petit truc. Une poutiflette GG. Une poutiflette, c'est quoi cette merde? Plus jamais. Alors c'est une tartiflette avec des frites. Non, en fait c'est des frites avec du fromage dessus. Ah ouais, mais ouais, c'est le truc qui est au roadside, non? Bah non. Mais s'il y a un truc au cheddar, des frites au cheddar, non? Ouais, non, c'est mais c'est pas pareil. Là, la poutiflette, en gros, c'est un plat à tartiflette. Ils mettent des frites au fond et ils mettent du reblochon et des lardons par-dessus. Ah, en fait, au lieu de faire une tartiflette avec juste des patates, ils ont coupé en frites. Ouais, c'est ça. Voilà. On l'a vu, Quentin. Dernier truc à dire. Vous connaissez Sardoche? Est-ce que vous connaissez Sardoche? Oui. Non. Rapidement. Non. En gros, c'est un streamer qui a fait le... C'était sûr, en fait. C'est lui. D'accord. C'est de lui. Et en gros, bah, c'est un mec genre, qui est connu pour dire tout ce qu'il pense. Genre, c'est un gros trash. Et un gros rageant. Rageux. Il s'est fait ban d'un jeu pendant 5 mois, là, en gros. Mais genre, c'est un gros rageux. En gros, il disait sur les streams qu'il voulait se faire ban pendant 5 mois. Bah en gros il était en gros il disait ouais oh, je vais me suicider en gros mais si tu connais pas Sardoche je vais te montrer des trucs de ouf. Il a tapé contre des murs, il tapait sur son bureau, mais il pétait vraiment des câbles. En fait Julien c'est le Mohamed Denis du stream. Oui, à peu près, mais vraiment. D'accord, ok. Ah, mais vraiment, sauf que Mohamed Denis c'est un jeu d'acteur, tu vois. Là c'est vraiment réel. Je te montrerai des vidéos de Sardoche plus tard. Ah, je pensais que vous connaissiez. Bah en gros c'est un gros trash. Et en gros hier je crois sur son live, il écoutait des musiques
Bah, il écoutait du rap en gros, et il a dit des trucs sur PNL, il faut que je vous retrouve. Il a dit un tweet. Ouais. Il a dû prendre. Est-ce que vous aimez bien PNL déjà? Non. Pas tant que ça. Hein. Non, personne n'aime PNL, parfait. Et toi Yann? Oh non, moi, j'ai jamais aimé. Da da da, là, yes. C'est bien de la merde. Ah merde, attends. Alors. Ah d'ailleurs, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous concernant PNL. Ce que vous croyez être des références à des albums antérieurs, ça s'appelle juste avoir très peu de vocabulaire et utiliser tout le temps les mêmes mots dans ses textes. Désolé. En gros, il trash PNL, il dit vraiment que PNL, c'est de la pure chiasse. Et Ah, mais il a dit juste ça? Non, mais il a dit d'autres choses. Genre, ah, ok. Pourquoi Jean Eudes, fan de PNL, né à Mélin, Yankee de première, me traite de bourgeois, en fait. Il est complexé d'avoir viré Desco pour se lancer dans la quête de comprendre les textes de son artiste préféré. En gros, il dit vraiment que PNL, c'est de la pure chiasse, que ses textes, c'est pas recherché. Genre, l'instru est cool, mais que les textes, c'est de la pure merde, quoi, simplement. Du coup, voilà. Mais bah, du coup, vous connaissez pas Sardoche, du coup, on va rien dire de plus. Un peu bête. Mais je vous apprends. Si vous connaissez il rien. Il s'est fait tout... insulter sur Twitter et tout, non, je pense. Oh, mais il se fait tout le temps insulter, lui. Oui, de toute façon. Mais si vous connaissez rien Twitch, il faut que je vous fasse un bilan de Twitch de tous les streamers. Après, tout... s'il continue, je pense qu'il n'a rien à foutre de se faire insulter. Hein. Ah oui, bah... Ah, mais oui, mais non, mais en gros, il est là depuis toujours, le Sardoche. Il est là depuis. Ouais, depuis les débuts du streaming, et puis genre au début vraiment il insultait vraiment tous les joueurs, genre Domingo c'était vraiment son pire ennemi quoi, il était pire ennemi de tout le monde en gros. Maintenant il s'est calmé, ouais, il insulte moins les personnes, les personnes du streaming, mais il insulte toujours les gens, et il dit vraiment tout ce qu'il pense, et je vous ferai découvrir ce phénomène plus tard. Mais c'est lui en gros, le c'était sûr en fait déjà, et d'autres choses qu'il a dit, vous verrez. Mais du coup voilà, bah, c'est tout ce que j'ai, il n'y avait pas grand chose non plus sur ses réseaux en ce moment. Du coup, voilà, okay. C'est tout pour moi. Du coup, Julien, okay. Je présume que tu as un petit jeu à nous faire découvrir. Bah, pareil que samedi, hein. Une image, un film. On est parti. Donc, je vais mettre la scène. Oui, oui, t'inquiète. Par contre, j'ai eu moins d'inspi que la dernière fois. Enfin, que samedi. Blackout. Quoi? Je sais pas. Malcolm. Et Simpson. Je m'entraîne, tu vois. Ma famille, d'abord. Ah, le bâtard, j'allais le dire. Ah, merde, attends, je trouve plus la scène. Tu me dis quand c'est bon. Ouais. Allez là, c'est bon. Galère aujourd'hui. Moi hein. Ouais, je suis fatigué. 3 heures, mec. J'étais en train de péter un câble à la fin, j'étais en mode putain, c'est quoi que ça se termine. T'es levé, je finissais le boulot, qu'est-ce que tu parles? Oui, mais je me suis levé à 4h30 en cul en fait. GG, j'arrive. Ouais, c'est ça le film. Bien joué. J'arrive. Bien joué, pote. Bien joué, Max. T'es un génie. Quand tu veux, Julien. Allez, premier film. Première image. Premier film. La planète des singes. Ouais, j'allais le dire, mais j'ai oublié. Non, c'est pas la planète des singes. Gardien de la galaxie. Chimpanzé dans l'espace. Planète des singes. Quoi? Ça commence bien, GG. On va laisser une petite avance à GG, je pense. Il va dire le premier et nous, on va suivre. La planète... Bah non. Non, pas la planète des singes. Un chimpanzé dans l'espace. Non. Il a tourné dans le film. The Artist. Non. Y'a pas de chimpanzé. Je sais pas, c'est un film sourd. Oh le bâtard, GG. Chocolat. Mais non, mais. Oh là là. C'était parce là, que c'est... Là, il là, était là. Dans un cirque. Il a dit quoi? Non, il a tourné dans le film. Le singe? Oui, le singe, celui-là, a tourné dans le film. Rampage. King Kong. Non, mais quand. Yann. King Kong. Je pense jamais. Je sais pas, je teste, frère. C'est comme si on te comparait à The Rock, tu vois. Bah, il y a une petite ressemblance au moins. Ouais, et encore Tintin la Tintin et Milou. Non. Non. Il n'y a même pas de film Tintin et Milou. Bah, si. Tintin et Milou, c'est de la licorne. Oui, mais c'est des films animés, c'est pas des vrais films. Et l'autre premier degré là derrière. De qui? C'est de la licorne, tu connais pas? Bah, c'est le dernier Tintin qui est sorti au cinéma. Ah ouais? Oh putain. Oui, mais c'est des films animés, je veux dire, c'est pas des films. Et il est ancien ce film. Et puis il y a eu un dessin animé de Disney aussi dessus. Dumbo. Non. Mais non, mais quand. C'est un singe, connard. Qu'est-ce que tu vois Dumbo là? Oh, le livre de la jungle. Non plus. Tarzan. C'était un Disney. Tarzan. Voilà, GG. Ah, c'était Cheetah. Cheetah. Chiquita. Chiquita. Non. Alors, regarde. Oh, allez.
Okay. Attends, mais c'est qui Cheetah dans c'est... Tarzan c'est le singe de Tarzan. C'est le singe qui fait plus connerie dans Tarzan. Le poteau là. Ouais. Ok. Tarzan. Ouais voilà. Et le singe est mort il y a pas longtemps d'ailleurs. Il y a oh non. R.I.P. in peace. R.I.P. in peace. Attends mais tu parles du dessin animé. Non, du film. Mais il a pas joué dans le dessin animé le singe, t'es con. Comment ce singe pourrait jouer dans un dessin animé? Mais c'est moi du film en plus. Oui, il est bah, si, dans le secret de la licorne. Ah oui, j'ai le secret de la licorne. Yes. Vas-y, du coup, j'ai Julien. Fou. Allez. Alors, ça vient pas du film. C'est un L'âge de glace. Non, Mystérieuse cité d'or. Oh, Quentin, alors là? À bord du Grand Condor, tu recherches la cité d'or. Putain, oh, la masterclass de Quentin. C'est pas l'âge de glace. Qu'est-ce qu'il y a? Il chante. Oh, il chante. Ah, il a pas aimé. Hein. Soir et matin. Alors, elle est où le secret de la licorne? Je vous emmerde. Putain. Par contre, là, Quentin, tu me. Mais t'es sûr que c'est pas l'âge de glace? Mais pourquoi l'âge de glace? Y'a pas de condor dans l'âge de glace. Ah, c'est un condor, mais y a des vautours. C'est un faux. Ouais, des faux con. Vautours. Tu sais, quand il chante. J'ai. Non, c'est un condor. On a très fort. Voilà. Putain, y'a que Quentin qui connaît, je suis sûr. Vous connaissez pas. Ah ouais, ah ouais, non, mais là tu reviens de loin. Mais non, ça c'est un condor. C'est pas un vautour. À bord du cité d'or. C'est un condor, ça. Vas-y. Alors là, Yann va pouvoir trouver le film. C'est une spéciale animaux ce soir. Attends, tu t'es. C'est vraiment ça. 30 millions de deuxième. Stuart Little. Stuart Little. Rango. Rango. Non. Ah ouais, Yann peut la trouver. Yann peut le trouver, pardon. Ah oui, Yann. C'est... Naruto. Parce que t'as vu le film, je crois. Non, c'est un film. C'est un film. C'est un film. Ouais. Il a joué dedans. C'est l'acteur principal. Sonic. Il y a un caméléon dans Sonic. Non. Ah si, ça me dit qu'il y a une réponse. Voilà, Yann, quand il réfléchit, il est bon. Alors, problème, c'est pas un film, pas c'est un dessin animé, par contre. Hein, c'est un film animé. Oui, mais c'est un film animé. Oui, bah, précise. C'est un film, un film animé, c'est un film. Dans film animé, il y a film, enculé. Pour toi, les Disney, c'est pas des films. Oui, bah, mais... du coup, Tintin, c'est un film, en enculé. Oui, mais c'est un film animé, c'est ce que je disais. Oh putain. Ah, ça commence bien. Le caméléon, non, c'était pas loin. Quatrième. Ah, c'est animaux, Stuart Little. Non, c'est un film. C'est un film. Quoi. Fort Boyard. Fort Boyard. Non, mais. Fort Boyard. Game of Thrones. Non. Oh, ça aurait pu aussi. C'est un film, on a dit. Animé ou pas animé? Pas animé, un film, putain. Les Kaira. Non. C'est ça? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Pattaya. Non plus. Non, c'est un film. Comment dire de les Schtroumpfs. Les 100 nains d'Almacia. Mini Midget et les 5 les 5 blagues. Les Schtroumpfs. Les Mini Moïse. C'est quoi que t'as dit c'est les Mini Moïse. Ah non. Ça aurait pu que c'est pas ça. J'ai hésité d'ailleurs. Fernandez. Mais non, Fernandez. Ça aurait été les Mini Moïse. Je prends une photo. Avec Théo. Est-ce qu'il y a un acteur principal dans la photo là? Ah non, pas du tout. C'est juste pour la vanne. C'est juste que dans le film, il y a des personnes de petite taille. Mais il m'a dit. Mais c'est un film. Les Lilliputiens. C'est un film. Non. Charlie et la chocolaterie. Non. Les. Moi, moche et méchant. C'est un film. Ah, le Hobbit. Voilà, le Hobbit. Putain, bien la joué, Alex. Ah, bien joué. Ah, putain, vous avez galéré. Je pensais que vous aviez trouvé plus vite que ça. Non. Jamais, non, mais jamais... j'ai des conneries donc. Trop chaud, Alex. Putain. Bon, ça risque d'aller un peu plus vite. Putain, je passe sur le stream sans que tu comptes, je vous allume. Ouais, désolé. T'es trop un boss aussi. Qui... Ah, Snoop Dogg millionnaire. Snoop Dogg. Slendog. Il a mal. Moi, je prends Snoop le Dogg. Point pour moi, il l'a mal prononcé. Hein. Snoop Dogg millionnaire. C'est du jamais vu, je crois. Snoop Dogg, il a dit. Snoop Doggy Dogg. Non, mais c'est, non, c'est moi. C'est bien ça, en plus. Snoop Dogg millionnaire. Slum Dogg. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, mais je dis vite, Snoop Dogg. C'était... Oui, voilà. Ça dit vite. Ça, bon, bisous. Ça. Bisous. Bisous, Alex. Mais c'est bien ça, du coup.
Oui, c'est bien Slumdog Millionnaire. Ouais, Slumdog. Non, c'est Qui veut gagner de l'argent en masse. Attends, cette image, c'est un film là, ta merde là. Lucifer. Oui, oui. Bien joué, GG. C'était facile. C'était facile. Ouais, ça l'a été. Et comment facile, ça se fait qu'il y ait une toute petite image qui apparaisse alors à côté de grosses images là. Moi, ça parce que c'était. Non, moi, ça j'ai dû rogner l'image. Ouais, mais là, il a coupé, ça se voit, c'est mal coupé. Il y a d'un côté qui est plus large que l'autre. C'est vrai, ouais, mais je pouvais pas couper autrement en fait. Je pouvais pas couper autrement. Moi, je dis point à remettre. Parce que j'étais pas prêt. Ah, ok. C'est cool. Mais j'ai oublié pas qu'il a 10 secondes de latence. Hein, donc, C'est ça, déjà d'une. Ça va aller très très vite. Start Little. Malcolm. Start Little. Il est mignon. Ça va aller très très lentement surtout, vous voyez. C'est génial. Yes. Pas que moi qui a 10 secondes de latence. C'est un plaisir de jouer avec vous en tout cas. Poupi, mais oui. La prochaine fois, je ferai avec des personnes qui ont eu Malcolm du coup. Sword Little. Oui. Non, yes, ça marche bien. Hein. Ouais. Content en tout cas. Hein. La prochaine fois où j'achèterai une croûte, s'il vous plaît. Une croûte. Merde, que vous aviez pas entendu. On peut pas avoir de l'alcool est interdite. Et oui, les bières sont achetables, enculé. C'est juste les. Bière et vin, c'est autorisé. C'est quoi? Desperados White. Les non, les gars, non, je connais cette pas maison, loin, je connais cette maison. J'ai pas vu. Ma famille j'ai d'abord. Mais oui, putain. Oh là. Et vous étiez en train de dire Malcolm et tout. Et vous avez... C'est content qu'il a dit Malcolm. Ouais, j'ai content, il y a du Malcolm. Ma famille d'abord, mais merde. Hey, tu te calmes. Ouais, gamin. Je l'ai dit, Malcolm. Malcolm, il est pas content là. Poulet, tu te calmes, oui. Là, Yann, ça devrait aller très très. Encore plus vite que réponse. Start Little. Non, mais... je pré-shot, on sait jamais. One Piece. Voilà. Bah oui. Bah oui. Après, ça aurait pu être Tom Sawyer. Oui, bien joué. Ouais, mais j'ai essayé de Tom Sawyer et j'ai pas trop trouvé d'image à mettre. Bah ça. Ou la petite maison après. Ou Billy Charlie Elliot. Ouais. C'est parti. C'est un dessin animé celui-là. Ou Malcolm. Y'a Carrie. Ah, y'a Carrie. Oh, tu t'es pas foulé en fait. Mais ouais, mais j'avais pas trop d'idées, c'est pour ça que j'en ai fait. J'avais ban les gens. Non, ban personne. Ça aurait pu être Pocantas. Sarah. Sarah. Terminator. Terminator. Merci. Mais l'autre il dit Sarah, il lit l'image. Il lit l'image. Bon, Snow Dogg. Snow Dogg millionnaire, allez. Sois gentil, pas méchant, Maxime. On continue. Salut la chocolaterie. Chocolaterie. Oh là là, mais pourquoi à chaque fois il a gagné un point, il bégaye. C'est parce que je veux dire vite avant que les autres disent. Tu vois. C'est la technique. Donc tu monopolises le micro, quoi. C'est ça. En fait, celui qui gagne le plus fort. Il change d'option. Celui qui gagne le plus fort qui gagne. Celui qui gagne le plus fort. Celui qui gagne a gagné, de toute façon. Celui qui gagne le plus fort a gagné. Mais c'est nul. C'est trop suspense, quoi. Là, ça va être un peu plus compliqué. C'est un film. Air Bud. Quoi? Air Bud. Le pianiste. Il joue du piano debout. Il est pas debout, il n'est pas debout. Bah si, un point chien si c'est debout. Oui. Beethoven. Merci, mais Yann, lis pas le chat. J'ai pas le chat. T'as jamais trouvé. Bah non, et Poulet Croquant, il a pas écrit, connard. Non, il a marqué Beethoven. Beethoven, j'ai pas compris, moi. Apprends à marquer, Max. Beethoven. Par contre, il est debout, je suis d'accord. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Mission Cléopâtre. Ouais. Oh, genre, il a juste dit Mission Cléopâtre, l'enculé. Pour un content. Police allez. De micro. Bah ouais, c'est celui qui parle le plus vite et t'avais qu'à parler plus fort que moi. Et ce sera une grande allée avec plein de statues. Et qu'on appellera la grande allée. La grande allée avec plein de statues. Et là, un petit géranium. Ça va être bien. Un petit bégonia, non? Non, géranium. Un petit géranium. Géranium? Ah merde, géranium. Faut que je vois mes classiques. Mais regarde le film ce soir. Oui, j'ai que ça à foutre. Non, t'as Jurassic Park à regarder. Non, t'as Food War à regarder aussi. Eh, t'as fini Hunter. T'as Jojo. Oui, j'ai fini Hunter, mais on en parle pas. Il y a pas. Ouais, t'as Jojo à regarder. Pourquoi t'as pas regardé Jojo, enculé? Bah oui, pourquoi t'as pas regardé Jojo? Jojo. Bah oui. Pourquoi t'as pas regardé Jojo? Allez, lance ton image, là. Je sais pas, peut-être tu m'as dit la première saison était nulle.
pas dit qu'elle était nulle, hein, j'ai résumé. Dit les premiers épisodes. Docteur Who. Oui. J'ai les bras de rire. On est en train de le perdre. Mais il a quand même trouvé la réponse. Et oui, c'est juste les 9 premiers épisodes qui sont pas ouf, hein, mais après ça. Et dans la saison, dans la série, il y en a 12, du coup ça passe. Allez, on y va. Je vous dirai plus rien. Allez, enchaîne. Allez. On n'a pas le temps. Alors, livre de la jungle. Ouais. Ah non, c'est, c'est 300, 3000. Non, c'est combien ? 10 000. 10 000. Non, 10 000. 300, 3000. Si, ah bon, mais tu vois de quel film je parle là ? L'âge de glace. Oui, oui, avec sur la, le mec de Néandertal. Ouais. Ça doit pas être ça, il connaît pas. Non, c'est pas celui-là. C'est une image du film. Le livre de la jungle. Non, je voulais dire le royaume. Il écoute même plus. Non, mais je voulais dire le royaume. Mowgli, voilà quoi. Ah bah oui. Lucie. Il fait partie du livre de la jungle. Lucie. Oui, mais il y a le film, c'est Mowgli, c'est film, pas le livre de la jungle. Ça a arrêté de le secret de la licorne. Et là, c'est le dernier. Un animal. Ah bah attends, t'es pas prêt. Un canard. American Pie. Alien. Scorpion. Attends. Alien, c'est un film, ok. Predator. Scorpion, c'est un film. Non, c'est une série. Ah, ok. Predator. Non, Predator. Non. Alien versus Predator. Non, mais. C'est dans le film. Alien Covenant. C'est bien dans le film. Alien non, c'est pas 6. Le. Non, mais je vous ai pas demandé le titre du film. C'est bien le. C'est un des méchants du film. Enfin, un des méchants. Les méchants. Ça me dit quelque chose. Les méchants. Ah, labyrinthe. Voilà, j'ai bien joué. Oh. Comment ça s'appelle ? C'est un nom, non ? Ouais. Labyrinthe. Oui, des croqueurs ou des. Ah oui, des croque-morts. Les croque-morts, non, rien. Mange-mort. Et mange-t'es mort. C'est pas très gentil, ça, par contre. Oh putain. Ah putain. Bah voilà, du coup. C'est fini ? Non, c'est bon. Mais il y en avait 17, mais. 7. C'était moins compliqué. Putain, enculé. Oh, mais Yann, non. Quoi ? Beaucoup moins compliqué. Bah oui, beaucoup moins compliqué, mais je commence à être à court d'inspire. Faudrait changer les jeux, faudrait les faire tourner comme ça. Bah, on t'a jamais dit de le refaire 10 fois à la suite non plus, je. Vas-y, prochaine mission, on change. Prochaine mission, on change. Vas-y, tu fais les films. Du coup, ouais, j'enchaîne fois, des sur. Ta gueule, GG. Alors, vas-y, merci de m'étouffer. Je t'aime. Allez. On enchaîne sur un truc un peu plus sérieux, hein, puisqu'on a fait un jeu. Ok, vas-y. Donc, personnalité qui a fait l'actualité. Oh. On Trump, même qui sait. Non, c'est pas Trump. Yann, depuis le début de ce jeu, n'a pas posé une seule question. Il a proposé que des gens. Mia Khalifa. Merde. Vas-y, j'ai déjà toi. Est-ce que c'est un homme ? Oui. Un homme avec quelle partie Ça va, je te dérange pas. Pardon. Est-ce que c'est un sportif ? Non. Est-ce que c'est un homme. Il a pas de question en fait. Il a pas de question. Est-ce que c'est un français ? Oui et non. Ah, le canadien, le bâtard. Non. Il est belge ? Non. Un belge pas français. Je sais pas, il me dit oui et non. Un canadien non plus. Hein. Oui, je sais. Mais non. C'est bizarre, la réponse c'est oui et non. Ah, okay. Il est français, mais. Comment, il est pas trop. Quoi. Ça se voit pas trop. Ah ouais, ok, il est un peu. tu vois, différent. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Vas-y, à toi. Ah oui, j'ai posé 6 questions à la suite, là, continue. Ces questions. Est-ce que c'est un acteur ? Non. Mia Khalifa, pardon. Il est épuisant. Ferme ta gueule. Donc c'est pas un acteur, est-ce que c'est un chanteur, enfin dans le domaine de la musique ? Non. Est-ce que... Attends, il est mi-français, mi-autre. Mi-haute. Mi-molette.
Mi autre. Mi cuisse. Ouais, vas-y, continue, vas-y. Une autre. Mi-temps. Mi-temps. Yes, allez, au revoir, hein. Je quitte Discord. Bonsoir. Est-ce que. C'est une personnalité célèbre dans le monde. Oui. Non, mais... Évidemment, sinon on n'aurait pas d'infos sur lui. Bah, il est pas obligé, enculé. Il peut être juste connu. S'il est mi-français. Mais s'il est mi-français. Il peut être connu qu'en France, salope. Il a reçu un scandale de journaux. Allez, vas-y, je suis à toi. Il est connu dans le monde, Yann. Donc il est connu, merci. Est-ce que c'est un homme politique? Oui. Ah oui. Ah putain, tout à l'heure tu m'avais dit non, bâtard. Ah j'ai pas. J'ai... Bah oui, du coup. Français mais pas français. Mais français mais pas français, homme politique. Hmm. Oui. Il est du gouvernement. Bah non, il est pas du gouvernement français du coup. Un homme politique. Voilà, là je bloque. En fait, c'est un endroit en France qui est français mais pas français en même temps. Monaco. Ça se passe dans voilà. Monaco. Ok. Le prince de Monaco. Voilà. Prince forcément. De Bel Air. Non mais. Les tuches. Mais je vais donner la réponse, Yann. Mais c'est le prince de Monaco. Oui, je sais. Il a fait quoi ce prince? Il a réduit de 40% le budget du palais royal pendant le confinement. Ce qui signifie quoi en fait? C'est quoi réduire le budget d'un palais? Dans le budget, combien? Il sortait faire ses courses, ça veut dire quoi? Bah, c'est-à-dire que tous les trucs qu'il dépensait ou les trucs comme ça qu'il achetait, bah, il les a réduits de 40%. Ah, quand toutes tu les dépenses palais, c'est en fait. De la famille qui habite voilà. Le palais. Ok. T'as un chiffre? Non, j'ai pas un chiffre. 40%. 15. Attends, tu veux le chiffre exact? 15, pourquoi 15? Mais il a dit 15, pas 40. 40. 40. 40%. Putain, c'est où? Merde! Je trouve plus. Bon, bref, t'auras le. Ah, si, c'est bon. Ouais? Yann, baille pas. Tes vidéos sont venues aussi vite. Salut quoi? Tes vidéos elles sont venues aussi vite que l'info. Bah, j'ai pas mis de vidéo. Oui, bah justement, on les a jamais vus. Ah bah, ils ont rectifié un budget qui maintenant est à 477 millions d'euros. Donc tu rajoutes 40%. Et tu m'emmerdes parce que je vais pas faire le calcul. Non, mais attends, ça veut dire que. Par mois ou par an? Mais vous me faites chier! Mais non, mais 460 millions! Si c'est par mois, c'est chaud. Hein. Mais non, c'est pas par mois, réfléchis. Bah si, parce que si c'est pendant le confinement... 460 millions, des millions, ça fait beaucoup de millions. Hein. Oui, merci. Bah oui, bah un million en un mois, c'est trop. Je pense que c'est le baisse de 40% pendant le confinement. En sachant qu'ils ont un fonds de réserve de 5 milliards. Ouais, voilà, donc ils sont larges. Ouais, c'est bon. Next, moi je vous redonnerai un autre truc tout à l'heure. Attends, mais j'étais ok, ça marche. Oui. Aïe! À tes souhaits. Jérém? Ouais. Rébus. Les rébus ou les rébus? Vas-y, fais rébus maintenant, comme ça on réfléchit maintenant. Ah oui, les motivés de rébus dès maintenant. Ah ouais. Allez. Tu veux les faire avant d'aller te coucher? Ouais. J'ai fait des simples, des compliqués. Là, c'est un personnage. Okay. Un personnage en rébus? Stitch! Ouais. Malcolm. Lilo. Stitch en rébus. Comment tu fais Stitch en rébus? Tintin. Peter Pan. Ouais, oh. Alors là, Yann. Il est vif. Astronome, je suis astronome, putain. Next. J'ai jamais vu quelqu'un aussi rapide que ça. Ah, on m'appelle Flash. Bah non, Peter Pan.
C'est quoi ça? Brave Cœur. C'est un film. Couvre-Bart. Brave Cœur. Putain, petit. C'est quoi? Brave Heart. Avec Mel Gibson. Ah, mais faut dire quand c'est anglais aussi, frère. Comment je peux savoir que c'est anglais? Pas la ref, c'est tout. Brave Cœur. Non, mais c'est pas marqué que c'est en anglais. Là, c'est une expression. Française ou anglaise? Française. Des expressions anglaises. Pas bilingue, ouais. Faut pas pousser mes mémettes dans les marties. Dans les orties. Pardon. Dans les smarties. Dans les smarties. Pour ouvrir. Ouais, mais il est tard aussi, les gars. Il est tard, il est 23h même pas. Ouais, mais il y en a qui se sont pas levés à 16h. Quoi. Oui, mais est-ce que t'as bossé ce matin, enculé? Voilà, ta gueule. Oh putain, vas-y. Là, c'est un film. Un blockbuster américain. Malcolm. Un film. Il faut le sauver la salle d'Ryan. La salda. Il faut sauver la salda. Il faut sauver la salda. Mais va chez l'orthophoniste. Hein. Il faut sauver le sol. Le sol. C'est un sol. Pourquoi il y a une bouteille de lait? Les soldats. Les soldats. C'est pour ça que j'ai pris un accent. Les soldats, Ryan. Bah oui, c'est le. Oui, mais c'est pas grave. Lait. Le, c'est du lait. Oui, bah oui, je suis d'accord avec toi, GG, c'est parfait, vas-y, continue. Bah ouais, forcément, voilà. T'es d'accord, t'as trouvé. Bande de rageux, je vous entends pas. J'entends pas les rageux. Alors, c'est un personnage anglais. En anglais. Pardon, le en anglais, une petite. Sherlock Holmes. Bah voilà. Oh putain, vous êtes vifs ce soir. Oh la vache. Bah, comment tu dis en anglais à gauche là? Cher, là, une chair. C'est une chaise? A chair. Ouais, mais ça s'appelle toujours pas Luck, je suis désolé au milieu, enculé. Ouais, c'est Clover, putain. Alex aussi. Le... C'est un chef aussi, le filachant. Chance en anglais, celui-là. Ce qui est bien, tu vois. Du coup, là, c'est. Oui. Ah ouais, il faut trouver la note. C'est un film aussi. Très très connu. C'est quoi la dernière image? La ligne verte. La ligne souris verte. Putain. Pourquoi t'as mis une souris verte, mec? J'aurais été capable de dire souris verte en plus. Hein. La ligne et souris verte. Non, j'étais en mode dos lignée verte. Quoi? Je crois pas. Voilà. Alors là, c'est un film aussi. La ligne verte. Le parrain. Wow. C'est ça. Mais pourquoi le encore une fois, je sais pas. Bah parce qu'il a utilisé une première fois le, du coup à chaque fois qu'il y aura un lait, ça va être le. Le. Oh c'est drôle le. Bon, quand je mets deux bouteilles de lait d'affilée, tu comprendras. Et donc là c'est un film aussi qu'on a. On a pas parlé. $1 baby. $1 baby. Oh là là, ah ouais, je l'avais. $1 baby. Mais il y a plus de gueule. Putain, je suis con. Tête du bébé, elle me fait rire. Ah, il t'en faut peu pour qu'il rire, toi. Allez, voilà. Allez, Julien, à toi. Ah, c'est bon? Bah oui. Ouais, ah, c'est déjà moi? Non, c'est à moi, attends. J'ai un autre truc. J'ai un petit jeu moi aussi. J'espère que les smileys vont passer. T'as travaillé? Il a préparé des trucs. Incroyable. Hein. Ouais, j'ai eu le temps un peu. Digimon. Prostip. Mbappomon. Prostiputomon. À vous, vous avez kiffé le jeu. Vous aviez kiffé le jeu. Oui, carrément. Kiffé. T'as kiffé. Ok, bah j'ai plus envie de parler. J'ai plus envie de faire deux jeux. Ça. On va pas se reprendre chaque fois que ça bégaye parce que. On bégaye tous ce soir. Bon, allez, alors, j'ai quoi, des jeux. En gros, c'est. Je mets des smileys à la suite et ça représente du coup un dessin animé cette fois-ci. Un dessin animé ou un film animé. Oh là là. Ok. Mais j'espère que les quand smileys. Dis... J'ai pas testé sur Discord, quand... j'espère que les smileys vont passer sur Discord en fait. Quand tu dis dessin animé, c'est okay, pas d'animé. Que des dessins Oui, c'est pas de manga, ni rien. Ok. Je vais mettre des smileys à la suite. Et... Réponse Jojo. Ouais. Oh putain, bah GG. C'était le premier? Non, pas du tout. Oh merde!
Mais du coup, c'est quoi? C'est plusieurs smileys qui font penser au film ou c'est pareil? Oui, une c'est sorte plusieurs de smileys à la suite qui font un film. Okay. Voilà, tu verras. Tu vas comprendre. Attends, il faut que je mette un peu de... Ouais, tu vas comprendre. Carte dessin animé. Alors, il va nous sortir... Au bout du cinquième, tu comprendras, Julien. Fils de pute... Attends, pardon, je parlais pas à toi, GG. Alors, vous êtes prêts? Le premier, son... Pouf! C'est un dessin animé. Cars. Non. Turbo. Non. C'est un dessin animé, ça? Oui. Un vieux dessin animé. Les quatre premiers smileys, ils font quoi, là? Ça représente quoi, ce smile? Drive. Ah non, c'est un dessin animé. Non, mais ça représente... En gros... Ah, le petit escargot, c'est pas ça? Non, Turbo, ouais, mais Turbo. J'aurais mis un escargot sinon, putain. Des voitures. Une voiture de tortue? Non. Mais devinez, ça représente quoi, les quatre premiers smiles? Genre, le personnage, il est quoi? Il est... Bah, oui, mais quand tu tires comme ça... Il est quoi? Il est quoi, Julien? Il est mignon, mais... Julien, il est quoi? Il est fou. Il est ouais, voilà. Il y en a... Non, il est fou. Les... Et tu le rajoutes... fou du volant. Voilà. Je suis sûr, Julien, il connaît pas ce dessin animé. De toute façon, il est trop jeune. En 2000. On s'en souvient. Vous connaissez au moins les fous du volant? Oui, bah sinon, j'aurais pas oui, trouvé. Oui, à part toi, Quentin. C'est pas faux. Les fous du volant, je connais pas le film. Je connais pas. Hein. Tu connais pas, ouais, j'en étais sûr. J'en étais sûr d'un autre. Alors, un autre. Attends, faut que j'arrive à le prendre. Ah, mais faut re-réfléchir, ça demande beaucoup de réflexion. Oh là là. Je pensais que c'était fini après les rébus. Lolo. Ouais, mais ça va, les rébus étaient pas trop durs. Oui, c'était pas trop capillotracté. C'est facile, il est facile. Alors là, Quentin. Foot de rue. Non. Tom Sawyer. Galactic Football. Oh merde. Quoi Olivier et Tom. Olivier et Tom. Non, c'était Olivier. Oh, mais yes, gagné. GG à toi, GG à toi. De quoi gagner? C'est Quentin qui l'a dit en premier, je crois, non? Tu rigoles. Bah, en vrai, c'était serré. J'ai entendu un peu les MT en même temps. Y'a pas 0-5 chacun. Next. Réponse. Presque. Maya l'abeille. Putain, il manque la tête de l'abeille. Ah non. Ah non, mais oui. Non, mais. Ok, Maya l'abeille, bien joué à vous. Un autre, je vais prendre celui-là. Il est simple. Go. Tom et Jerry. Tom et Jerry. Bien joué. Tom et Jerry. Si rapide, putain, quoi, il est si rapide. Un autre. Oh, celui-là, il est facile. Le lièvre, Ninja. Oh, merde. Où tu vois un lièvre? Attends. Je sais pas, mais tout à l'heure, Jojo, il a dit le lièvre et la tortue. J'ai vu des tortues, j'ai paniqué. C'est ça, mec. Oula. Celui-là, attention. Un peu plus dur. La Reine des Neiges. Faux. L'âge de glace. Bien. Oh, c'est petit scrap. Mais oui, c'est petit scrap. C'est ça. Mais qu'est-ce qui... Ça fait beaucoup de réactions quand même pour un petit truc. Hein. Poulet, calme-toi. Calme-toi, poulet. Ah, celui-là, est-ce que vous connaissez? Oui. J'espère que vous connaissez. Ah, après, Julien, il est trop jeune encore. Non, je rigole, si tu connais pas, je suis... T'es vraiment nul. Attention, go. Les Aristochats. Bien joué, putain, mais il est trop chaud. Quand oui, vas-y, une réaction, Julien. Non, rien, j'ai rien dit. Si, il allait dire quelque chose. Il allait dire quelque chose. Je sais. C'est aristocrate. On va pas se relever cette blague, mais on va continuer. Hein. On va oublier cette blague. Mais putain, Yann. Je suis fatigué, enculé. J'ai pas dormi beaucoup. Ouais. Alors, next. Facile. Hop. Dumbo. Bien. Dumbo. Donc c'est pas un singe qui se bouge les oreilles, évidemment. Les zinzins de l'espace. Wally. Non. Oh, bien joué, GG. Oh, pardon ouais. Putain. Trop chaud, GG. Mais Wally, pourquoi le fantôme, Yann? Bah, c'est le robot blanc. Ouais. Robot blanc qui a un fantôme, d'accord. Bah, est-ce que t'as un robot blanc dans les smileys? Non, parce que le robot et la plante, ouais, Wally, mais le blanc, je comprenais pas. Bah, c'est... Il fallait que j'ai un robot blanc pour représenter
C'est Eve, Yves, Eve. Bah t'enlever le fantôme, Eve, c'est un putain de... Eve. Vas-y poulet, c'est pas un putain de tuchi. Ouais, oui. Mais j'avais pas de robot blanc, salope. Un dernier pour la suite, on va finir... Oh, celui-là. Dernier pour la suite. Un dernier pour finir, si tu veux. Une belle expression. Celui-là, il est simple. Faut pas pousser mémé dans les smarties, non. Là-haut. Qui l'a dit? Là-haut. C'est GG. Putain, pour une fois que GG... C'est pour une fois que c'est Quentin qui l'a dit, qui a dit en retard. Hein, pour... Putain, trop chaud. Ok, bah voilà. J'en avais plusieurs, mais... De toute façon, j'ai gagné, hein. Donc, ouais. J'en ai plein d'autres, mais je les ferai une prochaine fois. Ah, donc faut dire un dessin animé en fonction des emojis, d'accord. J'avais dit du cinquième, okay. Julien. À partir du cinquième. Ouais, bah désolé. C'est le temps au cinquième, je dis. Au cinquième, je dis. C'est trop, putain. Regardez, il y a le son live. Moi je suis avec toi Yann. Il est mort de rire ce bâtard. Allez on enchaîne Yann. Attends. Enchaîne. Dernière émission du coup les gars ce soir. J'espère que vous allez aimer en tout cas. C'est la dernière, après on va arrêter. On prend la retraite. Ah, bah, bon, aujourd'hui ce sera la dernière, oui. Bon vas-y Julien enchaîne, je vais pas continuer du coup. Ah ça va. Ça... On va pas enchaîner. Ok, vas-y. Du coup, moi j'ai trouvé. Là j'ai trois infos. J'ai trois infos qui contiennent des nombres. Je vais vous donner les nombres et vous allez devoir deviner, retrouver l'info qui se cache derrière ce nombre. 3 heures. Comme... C'est moi ce matin. Allez. Oh merde. Allez, je vous donne le premier et je vous donne l'unité aussi aujourd'hui. Parce que sinon, c'est galère. Je bah t'expliquerai, mais... poulet. Monsieur est généreux. Ouais. Alors, 160 km/h. Un tracteur. Non, quand t'as pas cette semaine. 160 km/h. C'est un mec qui s'est fait flasher ? Non, pas flasher. Il a été interpellé par la police en train de rouler à 160 km/h. Bah voilà, tu as tout nous dire. Quelle était la particularité de ce véhicule, enfin, il était à pied. Un tracteur. Tu l'as fait la semaine dernière. <C'est> un... Arrête, GG. Est-ce que c'était un tracteur? J'étais le seul à pas l'avoir dit, fallait que je le dise. Désolé. C'est bon? Vas-y, c'est bon. Profiter. On l'a tous dit, c'est bon. Du coup, un véhicule a été arrêté à 160 km/h, mais c'est au niveau du conducteur que c'est loufoque. Il était un chien. C'était moi. C'était un chien, oui. Pourquoi c'était un chien? Arrêtez de rire, c'est vraiment un chien. Il avait le droit de sortir. Hey, il a amené son maître au vétérinaire. Ça. Non, je voulais la donner parce que voilà. Ah, parce que le mec était trop bourré pour conduire, du coup il a fait conduire son chien. Presque. C'était pas trop bourré, mais presque. Le chien était bourré, donc il a fait conduire son chien. Non. Que moi, non. J'ai gagné. Non. Arrête. Non. C'est le vrai conducteur n'était pas bourré, mais effectivement, il a laissé la place à son chien, la place conducteur à son chien. Et comment le chien a réussi à rouler à 165 km/h? Mais non, mais c'est pas le chien, Yann, fais un effort. C'est le gars qui tournait le volant, mais il était sur la place passager. Oui, mais je veux bien, mais pour les pédales. Et pourquoi? Mais il avait les pieds qui te passaient aussi, il appuyait que sur l'accélérateur, à 160, tu passes pas de vitesse. Attends, comment tu peux être assis sur le siège passager avec les pieds sur les pédales et les mains sur le volant? T'as des très grandes jambes quand même. Hein. Je vous dis le truc, c'est chaud. L'homme était drogué, voilà, il était drogué, ça s'était passé aux États-Unis. Il était drogué et il a laissé la place conducteur à son chien pour pouvoir être dans les règles des États-Unis, quoi, dans la loi. Et du coup, c'est plusieurs autres voitures, d'autres véhicules qui ont signalé sa vitesse plus certains zigzags. Parce que quand t'es sur la place passager, bah, tu roules pas droit. Hein. Oh, surtout quand t'es drogué. Oui, voilà, surtout. Ah, c'est tout ces détails. C'est tout ça. Sinon, pas de boîtier de vitesse, tu as une auto. Et du coup, la police a arrêté le véhicule avant de découvrir que quand la vitre s'est baissée, il y avait un pitbull qui était à la place conducteur. Voilà. Et l'homme qui était bien sur la place passager, il tournait le volant et manœuvrait les pédales.
manœuvrer les pédales. Okay. Voilà. Et c'était où deuxième ça, t'as dit? Aux États-Unis. Aux États-Unis. Il écouterait en fait. J'ai juste loupé une info, c'est bon. J'ai envie de dire, ça m'étonne même pas en fait. Mais le mec était quand même lucide pour se dire, attends, là je suis drogué, je peux pas conduire. Là je suis pas bien. Ouais, mais il a eu la lucidité de se dire, si je vais sur le passager, sur le truc sur passager, je vais pas s'asseoir sur le passager. Donc je rappelle que c'était un chien. On continue. 40 jours de prison. Qu'a fait cette personne pour obtenir 40 jours de prison? Il avait 150 attestations sur lui. Il a brûlé un village. Le gars qui fait au Californie, il reprend chaque semaine. Chaque semaine. Donc là, c'est pour un tracteur, c'est un chien. La semaine prochaine, ce sera une trottinette au volant. Donc, trottinette au volant, quand même. Ouais. Trottinette électrique conduite par un chien. Donc non, c'est 40 jours de prison. Qu'a fait la personne pour avoir 40 jours de prison? Merci Tsukiyomi. Il est sorti plusieurs fois sans attestation. Non, ça s'est passé à Chypre. C'était pas en France. Ça s'est passé à Chypre. Et alors, ils sont pas confinés à Chypre? Il a pissé dans la rue. Non. Ils sont confinés à Chypre ou pas? Ouais. Je sais pas du tout. Ok, ça a rien à voir avec le confinement. Je sais pas du tout s'ils sont confinés, mais... Il était ivre dans la rue. Une bouteille d'alcool. Il était pas ivre, non. Pas d'alcool. Il se baladait nu. Non. Y'a que toi qui fais ça, vraiment. J'ai jamais fait. Je vois pas que tu parles. Je sais pas, il a insulté quelqu'un. Même les journaux à 5h du mat, ouais. Non. Hein? Non, ça m'a à poil. C'est pour ça qu'il t'a regardé bizarre, le voisin, ce matin. Il était pas serein. Peut-être. Non. C'est un peu dans le même délire que... C'est un peu toujours le domaine de la route, on va dire. Le domaine de quoi? Il a... Il s'est du cheval sur son chien. Ah ouais. Il est monté sur le passager. Non. Non, non, non. Donc il était bien dans un véhicule et c'est comme ça qu'il a eu les 40 jours de prison. Ah, il était sur la banquette arrière. Il conduit... Il conduisait avec les mains, bah, il mettait les pédales avec les mains et il manipulait les pédales quand même. Oui, avec les mains et genre il tournait le volant avec les pieds. Alors il avait pas les mains sur les pédales, mais effectivement il conduisait avec les pieds. Mais le mieux c'est qu'il a pas été arrêté sur le moment. Mais en gros, il s'est pris un mur. Il s'est filmé. Non, mais non. Non, il a pas eu d'accident. Genre il a conduit, c'était sur une route droite rectiligne, il y avait personne. Il a conduit avec les pieds. Avec une sauf forme. Qu'il s'est filmé. Il s'est filmé, il a mis ça sur Twitter et Insta, je crois. Sauf que la vidéo a été relayée par plusieurs personnes et les flics l'ont vu. Et avec la route, les vidéos surveillance et tout ça, il a été retrouvé. Bah... Et du coup, trop il. Merde. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, bah, vas-y, pour sa gueule. Fini. Ah bah c'est fini, puisque du coup, il a écopé de 40 jours de prison. Il y avait. Il y ça avait... va encore. Il y avait dans le même domaine des cons comme ça, il y avait deux personnes qui avaient mis leur cambriolage sur Twitter. Et genre, ils étaient en train de se filmer en disant « Ouais, on a cambriolé ça, ça, ça. » Et du coup, ils se sont fait interpeller aussi. T'imagines? Pas en con. Genre, ils étaient... Oh non, ils étaient en live même. En live en train de conduire. C'était pire. Genre, ils disaient « On a volé, ils étaient en train de conduire et tout. » Ils faisaient un live tranquille. Et ils se sont fait contrôler par les flics. Voilà, c'est tout. Je crois que c'était pas ta troisième info. Non, 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 pas du tout. Tout ça pour dire, il y a des gens qui sont pas futés. Hein. Ah ouais, ouais. Vraiment con, ouais. La troisième info est tombée hier. C'est par rapport au confinement. C'est 135 euros d'amende. Mais qu'ont fait ces deux personnes? Parce que c'est pour deux personnes. L'amende dans avoir... la rue. Non, 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 c'est deux personnes hommes. Ce qui n'empêche pas de pas faire l'amour. Enfin, voilà, je vais rien dire. Je vais rien dire. Pour eux? Non, rien. T'as déjà fait ah ouais. Non, j'allais dire, ils sont encore mis de les couilles. Oh. Allez, cette blague n'a pas du tout plu à Yann, je pense. J'ai pas compris la blague. Non, il écoute pas, en gros, en la fait. Vanne, la vanne, c'est... comment... c'était quoi? Que font deux personnes qui ouais, se voilà. Masturbent mutuellement pendant le confinement? Et du coup, ils se covident les couilles. Ah, c'est bien nul. C'est bon, tu l'as saisi. Bon bref, ouais, mais...
Du coup, 135 euros d'amende qu'ont fait ces deux personnes pour avoir l'amende. Bien élâché, cette. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils conduisaient? Non, c'est par rapport au confinement. Ah, ils étaient chez eux? Non, pas directement. C'est des voisins. Ils ont pris l'apéro dans la rue? Non plus. Pas directement. Ils étaient à la moitié de leur porte. Genre, ils étaient une partie dehors, une partie à l'intérieur. Ils ont été au McDo. Ils auraient pris la moitié de l'amende, je pense. Bah oui, bah du coup, 135 à 2, du coup. Non, c'est 135 chacun. Et non, ah, c'est okay. Pas le McDo non plus, Quentin. Ah, il taillait sa haie du côté du trottoir? Non, non plus. Non, non, c'est vraiment, vraiment justifié pour le coup. C'est pareil, c'est deux cons, comme un. Ils étaient sans attestation? Oui, de un, mais c'est pas. C'est pas l'histoire. Qu'ils l'avaient ou pas, en fait, c'était. C'était mort quand même. Ils s'amusaient à passer en courant devant les flics. Non. C'était des jeunes ou des vieux déjà? C'était des jeunes. Ça s'est passé près d'Aix-en-Provence, ça vous aide pas du tout, mais... Ah si, Aix-en-Provence, mais si. Alors en gros... Très belle région. Pour vous aider, quand je dis c'est pas directement chez eux, ça veut dire qu'ils ont passé le confinement, mais pas chez eux. Dans une grotte. Voilà, Quentin, tu l'as vu? Bah non, mais c'était un de mes vrais faux. Alors, bah t'as vu l'info, du coup, c'est vrai. Du coup, enfin, c'est vrai. Je vais être d'accord. Du coup, c'est vrai. Ils ont été trouvés dans une grotte près d'Aix-en-Provence, sauf que ces abrutis, ils auraient pas été vus s'ils avaient pas mis une bâche orange fluo pour se protéger du vent et de la pluie. Oh, ils sont cons. Ce qui a interpellé des flics à travers la forêt, quoi. Et du coup, tu vois quand même qu'ils ont posé des lits, des meubles, des fauteuils et tout dans le truc. Et du coup, en plus des 135 euros d'amende pour mauvais confinement, je sais pas si ça se dit comme ça, mais... Non respect du confinement. Ils ont payé 135 euros d'amende aussi pour avoir fait un feu dans un massif, qui est une région protégée de cet endroit. Logique. T'as même pas le droit de faire de feu dans un endroit naturel, mais en plus dans un endroit protégé, c'est plus cher, je crois. Du coup, voilà. Okay. Et du coup, ils sont obligés de laver, de restaurer entièrement la grotte, et du coup, d'enlever des photos qu'ils avaient collées sur les parois de la grotte. Ça va, heureusement que c'était pas une grotte protégée, ça aurait pu être pire. Site protégé. Bah en soi, la grotte c'est tout petit, hein, c'est juste. Ça doit faire 25 mètres carrés à peu près. Ouais, c'est un trou. Un petit trou. Ça fait une chambre quoi. Très bien. Oui, une belle chambre. Du coup, voilà, c'était ça. 5 mètres carrés de chambre. Oui, même les appartes. Excuse-nous. Les logements étudiants sont bons. Bah, ça fait 5 par 5, 25 mètres carrés. Je sais pas, c'était ta dernière info, non? Ouais, c'était le vrai faux de Quentin, du coup. Bon, on enchaîne sur la télé info, du coup. On dit vrai, Quentin. Bien seul. On dit vrai. Non, j'en avais 4. Bah, du coup, 3 maintenant. Oh merde. Oh, tu peux faire la quatrième. Oui, on sait jamais. On oublie, vas-y. Faux. Alors, du coup. Alors, premier truc. Il y a deux personnes qui sont coincées dans un hôtel aux Maldives. Et qui sont forcées à être confinées aux Maldives. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bah, comment tu l'as dit en direct? Oh, il était en mode. Passé quelque chose. Oh, un peu ça dessous. Ça t'a annoncé mal ou. Non, non. Confinées aux Maldives. Vrai. C'est quel pays les... Non mais non, c'est un pays indépendant. C'est la Moldavie. La Moldavie, mon ami. Allez. Blague de merde, là, il a pour on deux vote semaines. Pour Yann pour ce soir, pas le blague de oui, merde. Oui, bande de merde, ouais. C'est Yann. Vrai, du coup. Oui, c'est vrai. Et ils sont retrouvés dans un hôtel luxueux où l'ensemble du personnel était obligé de rester sur place et donc eux aussi. Bah ça va, t'es dans un hôtel luxueux. Enfin, il y a pire comme lieu de confinement. Hein. Bah c'est ouais. Sûr. Oui. C'est clair. Alors. J'espère qu'il y avait un jacuzzi au moins. Il y a une personne qui a été arrêtée en. Voulant se. En prétextant. Il a dit aux flics qu'il voulait se dégourdir les jambes. Je vous laisse deviner ce qu'il faisait comme sport.
Ah, je l'ai vu. Je l'ai vu. Je vais faire ma gueule. T'as dit quoi, Jésus? Il faisait du dessin. Non, c'est un sport. Je vois, j'avais mieux. Donc, du coup, j'imagine qu'il utilisait pas ses jambes. Non. Il faisait de. Bah. De. Comment ça s'appelle? Tu utilises indirectement tes jambes, non, Quentin? Bah, normalement, non. Ouais. Il faisait le poirier. Je sais pas, ça peut peut-être les induire en erreur. C'est un sport que normalement on fait sur l'eau et là il le fait sur terre. Un kayak. Un kayak. Non, j'avais pas tout lu. Du paddle géant. Non. Du paddle géant. Quoi géant? Tu m'expliques. Tu mets le paddle sur la route et tu pousses. Bah ouais. Ça nique le paddle. Écoute. De la natation? Non. Yann, pareil, tu m'expliques? La natation sur le béton. J'en sais rien, frère. Du jet ski. C'est un sport de glisse. Du ski de fond? Bah, du ski nautique? Non. Et le bateau? Du surf? Non. Le kitesurf? Non. La planche à voile? C'est pas du kitesurf? Ouais, la planche à voile, et du coup? Ah, il s'est fait arrêter. Ouais, mais si je t'ai dit qu'il le faisait. T'as un effort, il faisait ça sur la route. Ah, il était. Ah, il se faisait tirer par. Non, il était sur un camion. Et du coup, il s'est fait arrêter. Je vois pas la suite. Oh merde. Mais tu vois pas la suite. T'as pas l'impression qu'une planche à voile, si tu la mets sur terre, elle avance pas? Il avait mis des roues, des petites roues. Ah, voilà. Ah, il a Moi, je croyais que c'était le kitesurf en fait. Ok. Mais donc, non, du char à voile. Surf qui s'appelle. Mais putain, mais je vais. Au lieu de faire du windsurf, donc la traduction c'est planche à voile, là c'est du windskate. Ok. Bah, il a inventé un nouveau sport. Et genre... Mais bon, il reste quand même court, mais on va pas se mentir. Ça ressemble à charabelle. Bon, c'est du sport quand même. Arrête, je sais. Vas-y, comment on cherche. Là, toi, Quentin. Et vas-y. Enfin, petite info locale. Ouh. Dans une commune du Morbihan, donc à Pleucaduc. Ah merde, je l'ai vu aussi. Il y a des 150 affiches qui ont été placardées partout dans la ville. Vous devez trouver ce qui a été collé. Moi je mettais des affiches. C'est pas un vrai ou faux de base. Si, mais je l'ai vu, il y a plus de vrai ou faux quand Yann. Oui, c'est vrai. Il est con. Si je dis que je l'ai vu, forcément c'est oui, pas bah, j'aurais dit vrai, j'étais prêt à dire vrai du coup. Qu'est-ce qui t'est collé? Mia Khalifa. C'est que c'est pas ce qui se passe. C'est ça. La bonne réponse à Yann. C'est Yann. Parce que la vraie réponse, c'est qu'il y a 150 photos pornographiques qui ont été collées partout dans le bourg. Ouais, j'en étais sûr. T'as des photos à mettre sur le Discord là? Un truc et d'un. Alors, Pleucaduc, c'est à côté de l'Oudéac, GG. Je vais peut-être faire un tour demain. Tu vas livrer les journaux là-bas. Au sud de l'Oudéac. Ah, je me suis perdu. La tournée va lui prendre 5 heures. 5 heures encore, c'est gentil. Faut que je retrouve toutes les affiches. Je vais les coller dans ma chambre. Ah, tu donnes ça à chaque journaux. 130 affiches. Tu colles une affiche sur le journal. Une affiche avec. Yes. Ouais, il y a plein de vieux, ils vont être choqués. Ils vont être. C'est vous le numéro 15. C'est ça. Bon, ouais. Bon, non, j'ai pas de journaux. J'ai pas de journal, enculé. Du coup, c'est bon pour moi. Nice. Parce que j'en avais une quatrième, mais. C'est vrai, non? Ouais, je dis vrai. On est des connards. Faux, c'était pas ça. Des connards. Vas-y, enchaîne, GG. GG, du coup. J'ai des rébus. Je suis pas sûr, mais deux le premier personnes à vous faire deviner, enfin deviner ceux qui sont deviner. Star Little. Donc Jean-Pascal Lacoste, c'est qui? Le créateur de Lacoste. Oh Yann, enchanté. Non, enchanté, je m'appelle Teuz. Il a fait une émission de télécrochet. La ferme célébrité. Non. Bon, peut-être il l'a fait, mais c'est pas pour ça qu'il a été connu. Le Loft. Love Story, ouais. Love Story. Secret Merde. Story. Non. Les Ch'tis. Ça remonte. C'est une émission de télé-réalité. C'est ça, oui. Ah, il est présenté par Nikos. Ah, The Story. Astarac.
C'est ça, c'est un chanteur de la Star Academy. Et donc, du coup. C'était Castaldi qui prenait sur. Qu'est-ce qu'il est devenu? Attends, il parle tout seul. C'est clair. Non, c'est vrai, c'est. Alors, du coup, il est chanteur dans la cour de l'église Saint-Pierre. Où, après avoir fait Splash, il décide de tester des objets. Ou alors, il est devenu réalisateur. Splash, c'est le grand objet. Splash. Splash. Tu dis quoi, Yann? C'était bien nul à chier, Splash. Tu pourrais dire la dernière. Non, c'est pas Splash. Oui, Splash. Splash. Tu pourrais dire la dernière, vite fait? Il est devenu réalisateur. Ok. Splash. Julien. La chorale dans l'église, Saint-Pierre. Et Quentin? La chorale aussi. Eh ben alors, c'est Yann qui a raison. Bouh, il a fait Splash. Il a fait donc la Star Academy, il a essayé de faire quelques chansons. Et après, c'est en. Quelle année? Quelle année il a fait ça? En 2013 qu'il a fait Splash. Il a affronté Laurie Tillman, Jackson Richardson et GG de Koh-Lanta. Si vous vous souvenez. Ah oui, c'était le mec qui est très efféminé là. Ah non, c'est Koh-Lanta, je suis con. Gérard de Koh-Lanta. Non, j'ai confondu. Non, je sais pas. Et donc, du coup, donc ça c'était en 2013. Et du coup, en 2018, il fait partie d'une émission de testeurs d'objets qui reçoit des colis toutes les semaines et avec sa famille, il doit tester. Des objets, oui, ouais, des de la vie objets. Quotidienne. Voilà, c'est le but de testeur d'objets. Donc c'est merci pour l'émission, cette émission. L'émission elle passe sur Sister et c'est. Vous avez un. T'as lagué, on n'a pas entendu. L'émission elle passe sur Sister et du coup elle s'appelle Vous avez un colis. Ok. Wow. Ah, ils sont hyper recherchés. Hein. Oh putain. Voilà. Ok. Deuxième personne, Alan Rickman. Très connu, c'est là. Alan Rickman. Est-ce que quelqu'un sait c'est qui? Il est français. Ça me dit quelque chose. Non. Attends, c'est un acteur. Est-ce que son frère, c'est... est-ce que son père, c'est Jean-Luc Reichmann? Pour Rickman. C'est définitivement Yann. On va te casser la gueule. Si demain les journaux sont pas livrés, c'est pas de sa faute. Hein. Je vais te taper. Bah, frappe-moi, vas-y, hein. J'attends que ça. Sa tournée va prendre 8 heures. Oh non, j'espère que je vais pas taper. C'est pas parce qu'on l'aura tapé, c'est parce qu'il a été un peu cadac. C'est vrai. D'ailleurs, ça compte. Non, du coup, c'est qui? Ah, pardon. Oui. C'est un acteur, je dirais. Mais non, mais j'ai dit oui à Quentin. Plus l'émission passe, moins il écoute. Gueule, un acteur. Allez, allez. Américain? Non. Série ou film? Film. Et il est pas américain? Non. Ni français. Britannique? Il est allemand. Britannique. Ah non. Putain. J'ai envie de te taper. Il aurait pu être allemand, pourquoi il aurait pas pu être allemand? Mr. Bean? Mr. Bean? Oh, Quentin. Ah non, c'est Mr. Bean. C'est pas ça. Mais non. Mais Yann. Non, c'est Rowan Atkinson qui joue Mr. Bean. Un acteur. Ouais. Très joli accent. Anglais. Et il a joué dans des films américains? Non. Bah, américain. Dans des films connus? Oui, très connus. Film de science-fiction? Il a joué dans Robin des Bois. Il a joué dans. Ah, c'est le mec qui a fait. Comment il s'appelle? Robin des Bois. Non, non, non. Je veux dire, le nouveau. Si, c'est le nouveau Robin des Bois. Ah, non, ok, pas bah, non, je vois pas, ok. Il jouait le shérif dans Robin des Bois, il a fait. Ah, je vois pas. Il a joué un professeur. Ouais. Mais c'est pas. C'est le mec qui joue Rogue? C'est ça. Il a fait Rogue dans Harry Potter, ok. Voilà. Et non, du coup, trois possibilités dans sa carrière. Donc, il réalise des courts-métrages. Il réalise des courts-métrages sur la magie au Moyen-Âge. Il ne tourne plus si c'est car... ça, c'est plus... Quoi? Vas-y, vas-y, continue. Ouais, il tourne plus car il est décédé. Ou alors il ne tourne plus car la saga lui a rapporté tellement. Je pense pas qu'il est décédé, on a entendu. Il a trois, moi. Moi, je dis la première, allez.
La magie au Moyen-Âge. Moi, j'ai la 2. Ouais. Moi, j'ai la 2. Yann, il écoute même plus. Si, si, la magie au Moyen-Âge, on veut tout ça. Ouais, la vas-y, la 2. Ouais, non, bah, c'est Julien qui a raison. Il est mort. Il est mort janvier 2016. Ah ouais? Ouais. Janvier 2016, ah ouais, ça remonte. Sérieux? Je me souviens pas de l'avoir dit qu'il était mort. Ah, 2016, ça remonte, ça fait 4 ans déjà, mais si. Oui, mais non, mais ça, j'aurais entendu quoi, je sais pas. Ouais, il a joué quand même dans Piège de Cristal, Love Actually, Robin des Bois, tous les Harry Potter du coup. Oui, okay, oui, du coup. Un truc, c'est Robin des Bois, faut trouver le... lequel quoi. Ouais. Ouais. Il y en a 3 quand même. Ouais, mais il est connu quand même, Robin des Bois. Par contre, oui, bah oui. Yann, tu disais il y avait un autre Robin des Bois qui allait sortir ? Non, qui est sorti, bah, le dernier avec l'acteur de... Russell Crowe. Avec Russell Crowe. Peut-être. Je sais pas. Non, là, celui de... celui où il joue le mec, là, Alan, c'est de celui le plus vieux avec Kevin Costner. C'est ça, non ? Ouais. Il est du date de 91, hein, Robin des Bois. Ouais. Donc voilà. Non, parce qu'il y a celui avec Max Boublil aussi. Hein. Et moi je parlais de celui avec. Ouais, Taron Egerton. On parlait d'un film. Avec qui t'as dit ? Taron Egerton, le mec qui a fait Rocketman, qui a fait Kingsman. Ah, oui, ok. Je sais pas s'il est corse. Avec le Jamie Foxx. Ouais. Ouais, il est sorti en 2018. Mais je sais pas ce qu'il ouais, c'est. Ah bah il y en a 4 du coup, je suis trompé. Je pense à celui-là. Du coup voilà. C'était ton dernier personnage ? C'était mon dernier personnage. Il y a beaucoup de morts quand même dans... Que sont-ils devenus, je trouve. Je sais pas, hein, mais... Ouais. C'est vachement... Vachement joyeux, ça donne la tête. Bah... C'est le premier qui est mort. Non, il y avait Dumbledore. Ouais mais non, c'est pas le vrai non, Dumbledore. Non, il était pas mort. Oui, c'était le premier qui était mort et le deuxième. Il nous écoutera si, dans Harry Potter, il est mort. Oui, 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 mais on pensait qu'il était mort, le Dumbledore. Mais il nous sort pas les couilles, en fait. Hein. Mais non, mais on pensait qu'il était mort, je m'en souviens. Mais c'était pas de celui-là qu'on parlait, on parlait du deuxième acteur de Dumbledore, pas du premier qui est mort, enculé. Putain. Allez, vas-y, à toi. Quentin, tu avais pas autre chose à dire ? Tu voulais pas faire un dernier ? Non, attends. Non, bah, vas-y, je finirai autre... par ça. C'est vrai. Attends, quoi ? Attends, du coup, c'est à moi de parler ou c'est à toi, là ? Oui, oui, vas-y, vas-y. Non, mais je finirai par ça, j'ai pas compris du coup la suite. Bon. Digimon. Digimon, Procipitomon, vas-y. Alors, non, c'est un petit manga. Bon, un petit manga où il y a beaucoup de saisons, mais qu'il y a que une saison. Et sur... voilà. One Piece. Et que une saison, elle est longue et elle est chouette. C'est Jojo. Mais non, mais dans Jojo. Mais à vrai, regardez Jojo, j'ai pas dit qu'elle était nulle à chier, j'ai dit juste qu'il fallait s'accrocher, comme c'était un peu chiant, mais c'est pas dit qu'elle était nulle à chier. C'est l'escalade, ton manga, je suis désolé. C'est quoi ? Faut s'accrocher pendant 9 épisodes. Mais non, mais c'est intéressant, mais il faut s'accrocher en gros. Enfin, je me raccroche à Jojo. Regarde pas, tant pis. Jojo, il a craqué. Je jouerai. En gros, j'ai une question à vous poser. Si vous pouvez. Si à un moment vous resterez. Genre. Si vous pouvez rester enfermé dans un jeu. Ouais, il fallait que je formule la phrase. Si vous pouvez rester enfermé dans un jeu. Verbe, complément. Un jeu vidéo. Ok. You know. Dans quel jeu ça serait ? Oh. Speak English ? Ça dépend. On peut choisir le personnage ? Non, t'as un personnage lambda, t'es pas un peu important. Genre, t'apparais dans le. T'apparais dans le jeu, mais t'es un personnage lambda. Quoi. Faut réfléchir parce que si on dit Fortnite ou Call of, on vit 4 secondes. Meurs. Heure, on meurt. Surtout c'est si tu 50. Gardes ton niveau dans le jeu. Quoi. C'est le petit clou, c'est le top 50. Du coup... Oh, je... Je sais pas ça entre le top 50 et le jeu. Est-ce qu'on a fait un top 50, 50 mais bref, allez. Du coup, est-ce que vous avez un jeu que vous resterez bloqué dedans ? Non, personne ? Allô ? Ouais, oh, c'est... Resident Evil. Ah oui, toi, tu prends... Il a pas peur. Ouais, t'as pas peur. Il a pas peur. Ok. Julien ? Non, en vrai, j'ai Assassin's Creed. En tête, Assassin's Creed. Ouais, mais c'est un personnage lambda, Quentin. Oui, mais tu peux devenir un assassin. Ah. Voilà. On n'a jamais dit que tu pouvais pas y copier. Ok. Du coup, GG Julien, non ? Je suis à Sick Park, Julien. Moi, je suis déjà dans le jeu, crevette fragile. Mais aussi à Clash Royale.
Non. Non, du coup, non, j'ai pas trop d'idées, là. Non. GG. Quand t'as des questions comme ça, tu peux pas les poser avant. Bah, tu sais, tu le poses avant l'émission, comme ça on y réfléchit tranquille. Bah, c'est la merde. Bah, tu nous passes tes images avant pour qu'on réfléchisse sur le film aussi. Mais non, mais parce que comme tu ça, j'ai le temps de réfléchir à un jeu. Parce que là, je peux y réfléchir un quart d'heure, tu vois, mais ça va être chiant. Mais prends le premier qui te vient, enculé. Prends un truc comme ça. Réfléchis à un jeu que t'as joué. Voilà. FIFA. FIFA ? Ouais, non, il est pas bon avec un ballon. Pire des jeux. Ok, bah niquez-vous, tant pis. je vais prendre la suite. Je vais prendre la suite. En gros, je vais vous parler du manga Sword Art Online. Ou en gros, je sais pas si vous connaissez. Comment tu dis ? Sword Art Online. Online, comme ça se prononce ? Tu peux l'écrire dans le chat ? Sword comme épée, art comme art. Et online. Sword art comme épée. Ah oui, ils sont bloqués dans un jeu, j'avais vu. Oui. En gros, c'est l'histoire, c'est dans un monde où du coup il y a des casques virtuels où vous pouvez rentrer entièrement dans un jeu, genre vous mettez le casque et vous avez tout votre corps et vous pouvez. Ça, c'est pas comme nous avec le casque VR où vous pouvez juste des bras et tout. C'est de la réalité augmentée, mais 100%. Quoi. Voilà, en gros, t'es plongé dedans, quoi. C'est Jumanji. Exactement, mais ça reste le jeu, tu vois. Ouais, c'est un jeu. Ouais. Bien. Et en gros, là, il y a un nouveau jeu qui vient de sortir, du coup, c'est Sword Art Online. Et du coup, bah, tout le monde se lance pour le début du jeu. Sauf que, dès le début du jeu, il y a le créateur qui dit, en gros, bah, vous êtes tous enfermés dedans. Si vous mourrez dans le jeu, vous mourrez dans la vraie vie. Et si quelqu'un enlève votre casque dans la vraie vie, vous mourrez aussi. Du coup, en gros, c'est... Tu meurs, bah, c'est... Ils sont dans un jeu, mais c'est comme si c'était la réalité. Du coup, leur but, en gros, le seul but pour sortir du jeu, c'est de le finir. Ils doivent du coup... passer dans une tour où il y a 100 paliers, 100 niveaux différents, et ils doivent battre les boss. Et du coup, ils doivent avancer, et l'histoire, c'est ça. Ils avancent au fur et à mesure, ils doivent battre le boss, et vont-ils réussir, et voilà. En gros, c'est ça. C'est une histoire où ils sont enfermés dans les jeux vidéo. Mais c'est vraiment un bon manga. Et après, ça part Yann, un peu en cause, c'est un manga récent ? Non, il est vieux. Mais ça il vient d'arriver sur Netflix, je crois. Oui, il n'y a qu'une saison sur Netflix, je ne sais pas. Non, il date de 2012, le manga. Et d'accord. Parce qu'il y a un film comme ça. Ouais, oui, c'est Ready Player One. Ouais. En gros, c'est le même principe. Ouais, mais le film. Ouais, mais est... non, mais Ready Player One, genre, tu peux mourir dans le jeu, là, ils s'en battent les couilles. Là, c'est vraiment, tu meurs dans le jeu, tu meurs dans la vraie vie, quoi. Bah, là, Player One, le Player One même... aussi. Non. Bah, si. On n'a pas vu, mais là, Ready Player One, je crois. Bah, c'est dans un monde d'apocalypse au final, hein, donc. Oui, mais ils pouvaient mourir dans le jeu, ça change rien dans la vraie vie. Bah, si, ça a un lien, je crois. Non, ça change rien. Bah, ils perdaient de la thune, quoi, c'est tout. Il me semble que c'était ça. Mais du coup, ouais. Mais Ready Player One, de toute façon, c'est un livre qui date de longtemps aussi. Ouais. Et du coup, il y a combien de saisons, de combien d'épisodes à peu près ? Alors, là, il y a que la première saison. C'est ça qui intéresse Julien. Il y a que la première saison sur Netflix. Il y a 25 épisodes sur la première saison. Il se regarde en un jour. Ah ouais, quand même. Oui, il se regarde en un jour. Oui, en un jour. En un jour. Bah, oui, ça dépend quand tu finis le boulot, quoi. Oui, voilà. Mais ça se trouve, c'est pour ça, en fait. Son petit animé à droite, là. Il n'y a plus le GPS, il regarde que Netflix. J'ai pas Netflix, enculé. Voilà, ça va. Moi, je regarde tout sur... Il faut pas regarder sur Netflix. Netflix, il y a que saison par saison. Que sur Internet, il y a tout. Tu peux trouver les 10 saisons d'un coup. Il y en a pas 10, hein, je regarde. Mais il y a une saison qui sort actuellement. Il doit y avoir 5 saisons, je crois. De 25 épisodes à peu près. Du coup voilà. Mais il n'y a qu'une saison sur Netflix, du coup tu peux tester, regarder. Et, ok, bah, moi j'aurais si qu'une question pas, du coup. Dis-moi. Comment sont les 9 premiers épisodes ? Ils sont nuls à chier. Ils sont bien ou pas ? Non, ouais, c'est mais... Non, mais ça rentre direct dans le vif du sujet. Mais Jojo aussi, enculé, c'est juste qu'il faut qu'il mette l'histoire en place. Putain. Après, regarde comme pas Jojo. Les mangas. Mais oui. On sous-estime Jojo. Oui, en vrai, vous sous-estimez Jojo. Jojo, c'est un grand classique. Tu loupes. Au pire, tu me feras un résumé des 9 premiers et je regarderai à partir du 10. Bah non. Jojo and Shane. Bah non, ça perd de la valeur. C'est con. Mais au pire, tu regardes les 9 premiers et tu fais autre chose, tu te branles à côté et t'en bats les couilles. Au pire, tu regardes pas. Ouais, au mais pire, après, je vais changer d'écran, ça va être bizarre. Tu mets les deux, mais non, mais tu mets les deux fenêtres à côté. Quand même, t'es en train de regarder une série où ils sont des orgasmes culinaires. Donc... Oh, ça, bah, ouais, mais voir, c'est un bon manga, ça. Ce qu'ils font, mec, ça a l'air tellement bon, la vérité. Ah, en vrai, ouais, mais la dernière saison qui sort en ce moment, oh là là. Mec, ça me donne tellement d'idées là. Des trucs de tentacules là, intéressant.
Mais non, toi tu parles de quoi là? Mais si, les tentacules, bah qui fait? T'as pas vu? C'est dégueulasse! Hein. J'espère qu'il y en a le poulpe au beurre de cacahuète. J'espère que j'aurai un orgasme autant. Ouais, non, bah je t'inviterai pas. Hein. Pourvu que le confinement dure le plus longtemps. Allez! T'as fini? Je suis sûr de être favorable. Hein. Bah défavorable du coup, là pour le coup. J'ai fini. Du coup, Quentin, tu voulais terminer? Non, c'est bon en fait. Je sais pas trop ce que je voulais, donc il a pas cherché. Oh non, là j'ai eu la flemme. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. Ok. Ah, du coup, voilà. T'as pas un petit vrai ou faux là? Donc, on s'arrête sur Jumanji, quoi. Non, soit attends, s'il te plaît. C'est différent. Pareil. Mais t'aimes pas les mangas, GG, quoi? Si. Oh, ça, si. Ça veut dire que t'es. Fouf. Si, moi. J'adore, genre à folle, ouais. Oh là là, genre, regarde tous les c'est soir. Ma passion. C'est tellement ça, c'est comme Quentin qui racontait son anecdote, mais qui s'en battait les couilles. Oh, Jojo, je regarde. Ah ouais, tu regardes, et alors tu kiffes? Bah, jusqu'au 9 premier épisode, et après j'ai du mal. Ouais, après c'est chiant, ouais, je suis d'accord. C'est l'inverse. Ouais, mais moi je commence par la fin. Logique. Enfin déjà c'est le seul mec qui fait une saison, une série où il y a 6 saisons et qui recommence la série. Ah non. Pourquoi? Pour attendre, bah, c'est ce qu'il a fait avec The 100, il a fini The 100 et il a recommencé. Non mais Netflix c'est très bien fait, tu finis l'épisode de la dernière saison, ça te relance et ils te remettent à zéro. Donc, du ah coup, ouais, ça m'a fait ça avec Prison Break, j'ai fini la saison et ça te l'a remis au premier, du coup t'es encore dans liste à voir, non? Ouais, mais bon, en fait, ça m'a relancé le premier épisode, et du coup, là, je suis saison 1, épisode 1. Bah, regarde. Tu le regardes pas, rassure-moi. Non. Mais en parlant de ça, moi, j'avais fait ça sur One Piece. À 400 épisodes, je crois, je me faisais chier, j'ai tout recommencé. Alors... Ah oui, donc tu te faisais vraiment chier. Ouais. Mais One Piece, c'est les 400 premiers épisodes qui sont chiants, quoi. Non, c'est les deux premiers. Non, bah, c'est sachant qu'il y en a plus de 900. Hein. Ouais. C'est pas prêt. Non, GG, tu critiques pas One Piece par contre. Oui, t'as pas le droit. Vous regardez One Piece? Quand j'ai arrêté. Tout a commencé sur la 17. Quand je regardais. Ouais, voilà, exactement. Ouais, tout a commencé sur la 17. Et vu que tu le regardais à chaque heure, là, à chaque même heure, bah t'avais le même épisode. Oui, c'est toujours le même épisode. Et après, tu regardes un autre jour, ça va sauter 3 épisodes, tu comprends les plus. Oui, c'est tellement ça. C'était chiant. Ok. Bah reprenez, c'est vraiment un bon manga ça aussi. Même s'il y a beaucoup d'épisodes, certes, c'est un classique. Un classico de Madrido. Voilà. Bon, vous voulez un mot de la fin? Vous voulez dire un truc? Vous avez quelque chose à dire? Non? Rien à dire? Prenez soin de vous. Garnier. Oh là. Antoine. Yes. Allez. J'ai même pas voulu la faire. Moi non plus, je me suis arrêté à Garnier seulement. Ah, avant la fin, là, du coup. Garnier de là, vote. Tu vois. Ouais, non, mais du coup, c'est Julien qui vole la première place à Yann sur oui, la... qui vole merci GG. C'est juste Julien qui vole sur la le première time, place. Quoi. Sur le... Juste sur le gong. Time. Juste sur le gong. C'est ça. Bon, moi, je vote Julien. Déguisé au prochain live. Yann, tu votes Julien. GG, tu votes qui? Bah, Julien. Non, mais GG, t'as pas le droit, t'as vu les vannes de merde qu'il a fait au long de la soirée. Vas-y, Quentin, tu votes qui? Moi, je vote Yann pour l'ensemble de son œuvre. Julien, tu moi, votes je qui aussi. Et Yann, ok, ex aequo. Ah bah y'a personne, c'est bête. Allez, demande à Max de ça. Voter. Vax, Max, mais non, je rigole, bien sûr, Yann. Allez. C'est Julien, 2-2. On finit sur ça, j'espère que vous avez aimé. Julien, Yann, on te donne ton gage. Vas-y, c'est quoi? Qui lui dit? Ah, vous aviez préparé votre gage en avance. Ça tombe bien. Oui, on a déjà choisi depuis samedi. Oui, en gros, c'était moi sûr, en gros, ouais. C'était moi sûr, en gros. Ah non, mais tu devais déjà l'être samedi en fait. Donc, ouais. Oui, non, mais samedi ça comptait pas, on avait dit. Du coup, c'est... sur ton prochain live, sur la prochaine émission, c'était mettre la robe de qui? Tu remets les robes que t'avais pour tes vidéos YouTube. Je sais pas, t'sais si où tu parles de musique. Oui, mais il faut la retrouver déjà, mais ouais. Avec une perruque. J'ai pas de perruque par contre. Bah, tu teins les cheveux. Attends, là c'était vrai cheveux? Je m'en fous, tu teins les cheveux. Tu mettras de mais mettra... je vais me teindre les cheveux d'ailleurs, on parlera de ça plus tard. Mais je vais me teindre si les cheveux. Tu teins pas les cheveux, bref, je tu mets une robe et tu te déguises. Tu me déguises, ok, bon, on verra. On verra ça. T'as toujours oublié d'ici là. Bon, allez, cheveux. On finit sur ça. On te le rappellera, t'inquiète. J'espère que vous avez aimé. Kiss. Prenez soin de vous. Garnier. Et bisous de moi, bisous de nous.
Il a refait. Ciao, bye bye. Ouais, ta gueule. Ah, salut. Mais bah justement c'est le vocal, il va dire confiné. Et c'est la fin des cons. Finis. Allez, salut. Mais non.